Faudra que je lui tire comme ça, random. Ce contrat n'avait rien. Ok, c'est bon. L'autre, il arrive. Vous l'avez terminé. Oh, attends, regardez, il y a un camion sur l'autre camion. Regardez, c'est n'importe quoi. On n'est pas prêt de sauver le monde. Ah si, ça a contrôlé l'épidémie. Que je rigole, là. Non, mais regardez. Non, mais comment moi, je suis censé... Voilà, comment... Comment on est censé avancer quand on voit ça? Voilà. Qu'est-ce que je fais quand je vois ça? Qu'est-ce... Regardez-moi ça. C'est n'importe quoi. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous le voyez, nous nous retrouvons sur Jurassic World Evolution. Ça part déjà en cacahuète. Ça part en cacahuète. Bon, c'est volontaire pour le coup, puisque je reprends cette partie suite à un stream qu'on avait fait. Je m'étais clairement gouré. J'avais pas fait gaffe. J'avais mis des Deinonychus, c'est ça? Ou Chus? Non, c'est Cus normalement le nom. Avec un Vélociraptor. Chose à ne pas faire, Michel, j'ai envie de te dire. Chose à ne pas faire, puisque ça crée un conflit. Hein. Ah, ça crée un conflit. Hein. On peut le voir. Voilà, conflit. De type boulasse, je me mets en boule et je meurs. Voilà. Normalement, lui, il devrait pas trop être chiant. Population idéale entre 0 et 18. Et groupe social 2 maximum. Donc de sa même espèce, 2. Donc on va le laisser tout seul de toute façon. Et population idéale 0 à 18. Donc on va lui mettre les vélociraptors avec lui. Je pense qu'il devrait pas techniquement casser les noix. Enfin, du moins, j'espère. Parce que s'il fait ça, ça serait un peu chiant. Est-ce que là, tout est relié pour le train et tout? Parce que je vois pas de train passer. Si, si, il y a un train qui passe. Donc c'est bon, bonne nouvelle. Utilise la première photo d'une équipe de garde pour prendre une photo d'une valeur de 5000 ou plus. Donc on va l'accepter, c'est toujours ça de prix. J'attends de les transférer, et dès qu'ils seront transférés, je vais vous montrer autre chose. On a un dilo qui est là. Le dilophosaure, normalement, il s'en bat les steaks. Je pense qu'il en aura rien à faire que le Ceratosaurus soit là. Je pense pas que ça va le déranger. Il faut qu'on prenne une photo hyper chère. Je sais pas ce qu'on pourrait prendre comme photo hyper chère. Alors, celui-là, au niveau de son I, voilà, 3 maximum, c'est ça, au niveau du groupe social. Ah non, hein. Oh, merde! Ça, ça va pas. Quand il fait ça, je crois que ça va pas. Ils vont s'engueuler. Hein. Donc, c'est bien ça, cette race... Non, cette race-là, elle veut pas être avec lui. Hein. C'est pas facile de se souvenir quelle espèce ne veut pas être avec machin. De toute façon, au pire des cas, il se fera bouffer. Hein. J'ai envie de te dire, au pire des cas, il se fera gober, le petit, et puis c'est tout, quoi. Et puis c'est marre. Hein. Il faut aussi que par minute, je fasse plus de 500 000 dollars. Je suis maintenant à 448 000. Je pense que ça va aller très vite. On a un combat qui s'est déclenché entre qui et qui. Oh là, oh là, oh là. Ah merde, hein. Ça recommence. Bah voilà, bah ils vont se buter du coup. Qui va survivre? C'est lui qui a la santé fragile. Ah, ah, petit pas, petit pas, petit pas. Ça va partir. Ça va partir, Michel. On est sur un 12%. Ouais, si, ça va finir en... Ah, les deux sont pas bien, en fait. Qui va terminer? Qui va terminer? Ok, il est en finish. Il va le terminer. Si quelqu'un veut voir le finish, au pire, je vous le mets. Bam! Finish! Ok, on a un mort. Et merde, on a un Véloci qui est mort. Mort de quoi? De vieillesse. Ok, donc on va en refaire un autre, c'est pas un souci. Il me faut une photo, hein. Va falloir que je rajoute des magasins aussi. Alors, pour la photo, c'est F, pas oublié. Il va être en train de boire. Là, ça va faire plus que 5000. Yeah! Obtenir la récompense. Nickel. Vous avez l'œil. Il va vouloir défoncer le truc. J'avais rien à prouver. Mais la façon dont vous avez mené ce contrat a fait forte impression. Eh ouais, mon chapeau. Pote. Ok, transmission d'un message entrant. Nice. Qu'est-ce qui se passe? Donc, mission la survie de, du plus fort. Incubé et transféré dans un même enclos. Un Dilophosaurus et un Vélociraptor. Donc chose qu'on a faite tout temps, à l'heure. On vous a jamais dit que ce serait une partie de plaisir. Okay. Si. On va lancer la mission. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On va incuber les potes. On va les envoyer ensemble. Et techniquement, ça va mal tourner. Je le sais d'avance. Tant mieux. Cette mission va mettre vos talents et votre volonté à rude épreuve. J'en doute pas, Michel. Faire se confronter des dinosaures histoire de mettre un peu d'action. Mais ça va très mal partir. La nature, quoi. La loi du plus fort, tout ça. Ça va très mal partir. Je te le dis juste. Première étape.
Construire ou modifier un enclos afin qu'il soit assez solide pour résister à un combat de dinosaures. Vous allez devoir incuber des œufs, les faire éclore et transférer les petits dans cet enclos. C'est moi ou nous poussons vraiment trop loin cette fois ? Voilà, j'ai qu'à le faire ici en fait, incuber, transférer. Condition favorable à un combat entre ces animaux. On va le faire là. Qu'entendez-vous tester au juste en exploitant leurs pulsions primitives ? C'est horrible. Donc il veut un Dilophosaurus, il veut un Vélociraptor, donc le mec veut ça, on va lui donner, c'est pas un problème. On a une clôture qui est endommagée. Équipe de garde, vite, merde. Ok, ça va. La clôture qui est endommagée, ça va. Parce que j'avais mis autre chose. Ok, ici on a un nouveau pote, on va le transférer. Donc au cas où, si vous les aviez pas vus de près, les Deinonychus, je vous les montre. C'est vraiment des petites saloperies quand même. Hein. Il est très beau en couleur, mais c'est vraiment des saloperies. Hein. C'est vraiment des petites saloperies. Ils sont très mignons, mais... Mais quand même, je me méfie vraiment, quoi. Donc c'est parti, normalement, on est d'accord. Il y a clairement un combat qui va... Objectif de sécurité. Ah, ça marque. C'est marrant, ça marque le truc. Ok, le Velociraptor, du coup, il va apparaître en objectif de sécurité dès que la cinématique sera terminée pour lui. Voilà. Et voilà, okay, le travail. C'est parti. On va pouvoir les laisser se cogner dessus. Oh. On se relâche pas pour autant. Il faut rester sur le qui-vive, plus que jamais. Mes collègues sont prêts à observer leurs intérêts. Ok, c'est parti. Le massacre. Ouh. Oh là. Oh merde, attendez. Malcolm. Sachez que nous ne faisons que la recréer. Non. Vous la manipulez. On est déjà en santé fragile. Hein. Après, on peut gagner 1 million. Que l'inconnu vous c'est colo- on a putain, on a une barrière pétée. Est-ce que c'est bien le moment de regarder le combat alors qu'on a une barrière pétée? Je répète, un bâtiment est endommagé pendant la tempête. Vite, battez-vous, tuez, vous faites quelque chose. C'est horrible. Est-ce que je peux mettre pause? Ils font des petits pas. J'ai pas le temps de regarder, c'est trop chaud. Oh. Ok, il est pas bien, c'est le finish. C'est le Vélociraptor qui gagne. C'est le Vélociraptor qui va gagner. Bam. C'est le Vélociraptor qui a win. Laissez le dinosaure sauvage jusqu'à ce que mort s'en suive. Eh ben c'est bon, j'ai envie de te dire, Michel... On va l'endormir tout de suite. Ok, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est réparer tout de suite ce qui a été endommagé. Continuez comme ça. Qu'est-ce qui a été endommagé, vite? Les observateurs du Dr. Wu doivent étudier le vainqueur. On va assurer leur sécurité. Oh, je ne suis pas mécontent d'avoir raté ce carnage. Je parie que ça a dû être sanglant. Les griffes, les crocs et les rugissements. C'est chaud. Hein. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Oh, marrant. La forêt, c'est bon, ça augmente. Le confort, il est à zéro, mais ça va augmenter. Ok, l'interaction, il lui faut un autre pote, quoi, vite. Donc on lui met un autre vélo aussi, vite. Ça va aller assez vite, techniquement. Ok, on a une clôture de nouvelle endommagée. Qui a endommagé la clôture? C'est l'autre. Je suis sûr que c'est l'autre qui a pété la clôture. Équipe de réparation en route. C'est l'autre qui a pété la clôture, il est sorti. Ça recommence, vite! Vite! Il faut l'endormir. Confirmé. Il fait que de péter la clôture. Il est pas bien parce qu'il lui faut un autre pote, ce qui est normal. Oh! Il a bouffé quelqu'un. Michel. Il a bouffé une dame. Donc il faudrait pas qu'il sorte. Bah, le temps qu'ils sont en train de réparer les clôtures, les machins. Putain, mais vite! Faut que je mette une équipe de garde beaucoup plus proche parce que c'est trop dangereux. Pourquoi est-ce qu'on aurait une menace de dinosaure tout de suite? Parce qu'il a pas assez d'interaction. Ah ok, non, parce qu'il y a un visiteur qui est là. Non! Madame, monsieur, je ne sais pas. Bah là vous êtes foutus. Hein. Si je puis me permettre, là vous êtes cuits. Hein. Ah bah là, fallait pas venir aussi. Ne rentrez pas quand il y a des problèmes comme ça. Ne rentrez pas à l'intérieur du parc. Il faut pas rentrer à l'intérieur comme ça. 2 à 6. Où est-ce qu'il est l'autre pote? Vite. Il a toujours pas été transféré. Mais il est où? Ok, ils sont en train de le descendre. Il reste 32 secondes. On peut le faire, 32 secondes. C'est possible. Allez.
Il faut qu'on termine ces missions sur cette île. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas terminé les missions à faire sur cette île. Je veux pas partir tant qu'on n'a pas terminé. Nice, on a réussi. On a une sauvegarde, donc potentiellement... Ah non, conserver une note, ok. Ok, c'est bon, on a réussi la mission. On a réussi. Entendu. On va endormir les deux et on va les faire partir, en fait. Ok, transmission d'un message rentrant. Yeah, on a réussi, les potes. On a réussi la mission principale. Yes, du coup, maintenant, on a une clôture électrique en acier renforcé qui est désormais disponible. C'est super. Mais le docteur Wu et ses chercheurs ont pu récupérer les données qu'ils voulaient. Vous avez assuré. Dites-vous que vous avez de la chance de ne pas avoir à nettoyer tout ce bazar. Terminé. Ah, on a géré. Ce qu'ils font. Ils avaient pourtant récupéré assez de données après les anomalies sur les îles pour savoir comment les dinosaures se battent et tuent leurs congénères. Ouais. Et les humains. Ils font quoi, eux? Non, ils ont une autre idée derrière la tête et je compte bien découvrir laquelle. Qui est malade maintenant? Ça met encore le logo 2 pour m'avertir qu'on a des malades. Ah, ok. Faudra que je lui tire comme ça, random. Ce contrat n'avait rien de simple. C'est bon. L'autre, il arrive. Vous l'avez terminé. Oh, attends, regardez, il y a un camion sur l'autre camion. Regardez, c'est n'importe quoi. On n'est pas prêt de sauver le monde. Ah si, ça a contrôlé l'épidémie. Parce que je rigole, là. Non, mais regardez. Non, mais comment moi je suis censé... Voilà, comment... Comment on est censé avancer quand on voit ça? Voilà. Qu'est-ce que je fais quand je vois ça? Qu'est-ce... Regardez-moi ça. C'est n'importe quoi. Il y en a un qui va me voler à la gueule, là. Lui va me sauter dessus, lui. Petite photo. Photo quand même assez terrifiante, on va pas se mentir. Et voilà, obtenir la récompense. On était quand même sur une photo assez terrifiante. Bon, c'est bon, tout le monde a réussi à s'en sortir. C'est bien, les gars. Good job. Aucune coupure de courant. Il me reste 1 minute 35 pour avoir aucune coupure de courant. Tant mieux, on va continuer. Qui est en train de s'engueuler? Qui est en train de s'engueuler? Voilà, il y a un vélo aussi qui est en train de s'engueuler dans le tas. C'était obligé. Pourquoi? Je vous le dis tout de suite, parce qu'ils sont en surnombre. Je pense que c'est pour ça. Ah non! Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est moi qui l'ai mis là? C'est moi qui l'ai mis dans le loup, ce con? Bah, allez, va se faire finir. Hein. Si je l'ai mis, par contre, si c'est le vélo aussi à 1 million, on est dans la merde. Hein, parce qu'au prix qu'il coûte, ça m'emmerde. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Collaboration, c'est mission numéro 2, mission exploitation. Incuber le dinosaure suivant dans le labo de la création humaine. Dilophosaurus, Vélociraptor, Ankylosaure. Et on aura débloqué, ça y est, toutes les missions. J'ai fait une connerie, clairement. Oh merde, j'ai carrément fait une connerie en fait. Hein. Enfin, le vélo. Je me suis gouré, j'ai mis un Vélociraptor ici. Voilà. Et 2-1. Ensuite, je pense que le dilo. Voilà. Et 2-2. Et là-bas, le vélo aussi. On sera en mode et 2-3. Par contre, ils se sentent comment? J'ai peur que ça n'aille pas. Écoutez, au pire, on l'enverra au casse-pipe. Hein. On entendait la nana parler. Le parc est heureux d'accueillir. Comme ça, vous voyez ce qui se passe pour les missions. Parce que je trouvais ça dommage de ne pas vous montrer les missions. Puis après, au fur et à mesure, de toute façon, on va débloquer les dinos au fur et à mesure des missions. Donc, expédition terminée. Yeah, on a fini l'expédition. Super. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'aller au centre des fossiles. Et le Tsanto, bah, j'espère qu'on va être bon. Ok. Il va falloir booster les ventes. Donner aux visiteurs ce qu'ils veulent. De la quantité et de okay, la qualité. Ok, on a une panne électrique. Surtout de la quantité. Il y a un problème. On a un problème électrique. On a plein de trucs qui sont tombés en panne. C'est pas vrai. On a un problème. Ouais. Le réseau électrique est HS sur toute l'île. Putain. Il est temps de montrer ce qu'on sait faire. Là, okay. C'est la merde. Je suis bloqué. On active les protocoles d'urgence et on assure la sécurité des visiteurs. Obligé. Ça marche. Putain, intérêt. J'y vais, menace de dinosaures, là, c'est la merde. C'est une panne volontaire. Un sabotage? Oh, les enfoirés nous ont sabotés! De qui a pu faire ça? Entre nos ennemis, nos rivaux et les escrocs, il y a le choix. Oui, oh, c'est clair. Ils nous ont sabotés, du coup, on a de la menace de dinosaures. Terminé. Là, c'est la merde. À bien je suis en train de redémarrer. Particulièrement dans ce genre de situation. Ah, l'autre qui me donne des exemples, des ceci, des cela. Ok, je suis déjà en train de redémarrer le premier panneau. Le deuxième, en cours de redémarrage. Maintenant, il faut aller au troisième, vite. Ok, le troisième, je l'ai mis à l'autre bout, si je dis pas de bêtises. Pardon, pote. Excusez-moi, pardon.
Il y a pas mal de monde, hein, franchement, ça fait plaisir. Hein. Excusez-moi, pardon, excusez-moi, juste qu'on a des problèmes. Yeah, on a débloqué une nouvelle apparence de véhicule, si ça c'est pas cool. Normalement il est là-bas. Hein. Je l'avais mis là-bas. Putain, j'en reviens pas, il y a quelqu'un qui a essayé de nous défoncer le parc. Ok, elle est là. Il y a pas beaucoup de gens qui viennent par ici, il faut que je fasse en sorte qu'il y ait du monde qui vienne par là. Ok. Du coup on a un nouveau génome complet. Ok, c'est bon. Et merde. C'est le fameux Véloci que j'avais mis tout à l'heure, putain, et j'ai dit il sert à rien lui. Oups. On va le laisser crever. Mais du coup, ça va faire un échec de la mission. Là, j'ai les boules, par contre. Ça va faire un échec de mission, là. Il n'y aura jamais le temps. Voilà, il est mort. Ce que je me disais. Et merde! Du coup, ça a annulé la mission. Oh, je suis dégoûtée. A few moments later. Du coup, ce qu'on va faire, on va recommencer les incubations parce que j'ai l'impression qu'en fait, il faut les incuber solo. J'ai l'impression qu'il faut vraiment les incuber tout seul, les trucs. Donc, on va essayer de faire ça. C'est un peu casse-noix, on va pas me mentir, mais bon. Regardez, c'est bon, on a un timer. Veillez à ce que les dinosaures se trouvent dans un enclos sécurisé 350. Yeah, on a un timer, ça fonctionne, j'ai envie de pleurer. Yeah, ça fonctionne. Sans déconner, ça fait plus de 48 minutes que je fais cette mission, j'en peux plus. Quand il y a de la diversité, ça me va. Quand il n'y a aucune diversité, ça devient clairement relou. Les Véloci, je trouve que c'est la pire des saloperies. Franchement, c'est le pire des trucs. Ok, je vois l'hélicoptère qui arrive. Ils vont le déposer. Il va repéter un câble. Il va tout recasser. Ça va être chiant. Et merde. S'il casse le truc en boucle, ça me pose pas de problème. Il peut pas passer de toute façon. Pourquoi je peux pas la réparer? Non, 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 non. Putain, non, 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 non. Bien reçu. Oh non, non, non. J'en peux plus, il me restait 2 minutes. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Attendez. Non. La cible a bien été touchée. Ah, j'ai réussi à bien réagir. J'espère de tout cœur qu'il va pas y avoir de nouveaux problèmes parce que... Timer, il va repartir. Ok, on va essayer de leur mettre des trucs pour qu'ils s'occupent. C'est con à dire, hein, mais on va essayer de leur mettre vite. Enclos. Là, la petite chèvre ici. Et toi, on va te mettre une petite chèvre aussi. Attends, je suis chez qui, là? Ah oui, ok. Il est où le camtar? Il est là. Ok, on va conduire le véhicule. On va resurveiller. Le timer, il est reparti de nouveau. On va essayer de mettre la petite chèvre pour qu'il s'occupe. On a une menace de dinosaures, qu'est-ce qui se passe? Qui? Ok, on a un Véloci qui s'est échappé, vite. T. Non. T, vite! J'ai beaucoup de mal quand je suis en phase de stress. J'ai beaucoup de mal. Être tranquille, genre en mode canalisé. Tout est pété. Ok, c'est là que c'est pété. Demande enregistrée. Il y a tout qui est pété. Il reste 38 secondes, j'espère de tout cœur que les autres ça va bien se passer. Ouah, tout ce qui est cassé. Putain, là par contre c'est grave. Tout à l'heure je disais j'en ai rien à faire. Là par contre c'est grave. Hein. Il reste 23 secondes, j'espère que ça va bien se passer. Ok. Je crois qu'on a réussi. Oh non ça, ce monde de requins ou les dinosaures. Putain, mais non. On doit en plus coltiner des sabotages. J'espère que vous vous sentez d'attaque.
Oh là, ça me saoule. À 30 secondes de la fin, il y a échec de la mission. À 30 secondes de la fin. Ça fait une heure maintenant que je suis sur cette fucking mission. Hein. Et à 30 secondes de la fin, j'échoue. Tout ça parce que putain, il y a eu plein de morts. Parce que le grillage s'est ouvert et il y a au moins 6 vélociraptors qui sont sortis. Donc forcément, voilà. Donc les copains, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui termine en apothéose, en catastrophe totale. Je suis dégoûtée au plus haut point. J'ai pas les mots. Tant pis. La prochaine fois, ça se passera mieux. Ça se passera mieux, ça va se passer bien mieux. Je pense que j'aurai moins chaud déjà. Je vais refaire des clôtures beaucoup plus grandes pour les poser un peu comme Lokilo qui est tranquille, lui fait pas chier. Mais les vélocistes, c'est difficile de les calmer, sachant que tout seul, ils pètent un câble assez facilement. Quoi. Donc les copains, en attendant, je vous fais à tous de très gros bisous. Dites-moi si l'épisode sur Jurassic World vous aura plu. Il s'est passé pas mal de choses. Il s'est passé pas mal de choses et comme quoi, voilà, l'effet papillon dans ce jeu, il est bien présent. Le moindre petit coup de vent peut enchaîner sur toute une situation catastrophe. Et là, ça me dégoûte d'avoir échoué à 30 secondes de la fin, quoi. Je suis dégoûtée. Donc, du coup, les copains, je fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux listés juste en dessous. Allez, ciao tout le monde !